Je vous salue à tous. Dans le nom de Jésus, sans oublier les frères que je connais, les anciens et tous les serviteurs, je les salue tous. Hein? Et même les anciens en âge et les jeunes. Notre trésor restera Jésus. Amen. La perle de grand prix restera Jésus. Si Judas l'a vendu pour 30 pièces d'argent, nous pour rien au monde, ni pour une voiture, ni pour une maison, avec une piscine parfois que je peux m'imaginer, ni pour un mariage, ni pour de la musique, pour rien. Je ne vendrai pas celui qui m'a sauvé, celui qui m'a aimé d'un amour incommensurable, insoupçonnable. Il a donné sa vie pour moi. Il a donné sa vie pour toi. Ne vends pas le soleil pour acheter une lampe. Christ est le soleil de justice. Amen. Il est l'étoile du matin qui se lève dans nos cœurs. La Bible dira: je sais en qui j'ai cru. Amen. Et malgré l'adversité, le chemin par où a passé Jean, et il dit: je sais. Et je t'invite à avoir, par la grâce de Dieu, cette conviction. Tu souffres, t'es pas compris, t'es pas comprise, tu te sens seul, tu ne comprends presque plus rien. Le soir, tu pleures, parce que tu n'as plus de mots pour exprimer à sa juste mesure l'intensité de ta souffrance, de ta douleur. Problème d'enfant, problème de matériel, problème de famille, ça se déchire, les choses vont mal. Je t'invite ce soir, par la grâce de Dieu, à avoir cette conviction. Je sais, dira Jean, que mon Rédempteur, celui qui m'a racheté, j'appartenais à l'adversaire, j'étais esclave de l'adversaire, j'étais vendu à l'adversaire par le péché que je pratiquais, vendu au péché, vendu au diable. J'appartenais au mal, aux ténèbres, ma destinée, c'était l'enfer. Mon Rédempteur, celui qui m'a racheté. Le rachat de l'âme, il est trop cher, il n'aura jamais lieu. Mais mon Rédempteur, avec non pas de l'or ou de l'argent, dira Pierre 1:18, mais avec le sang précieux de Jésus-Christ. Comme d'un agneau, sans tache, sans défaut, prédestiné avant la fondation du monde. Ce sang ne me purifie pas seulement, il me délivre. Amen. Apocalypse chapitre 7, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés par son sang. Amen. Le sang, d'après Pierre, nous rachète. Le sang nous purifie, mais le sang nous délivre. Amen. Je sais que mon Rédempteur, il m'a racheté, ça veut dire fin d'une vie d'esclavage, d'une vie de misère, d'une vie liée à l'alcool, à la haine, à la méchanceté, au péché, à la drogue. Et dans toutes ces liens, toutes ces formes,
Mon Rédempteur, il m'a racheté, c'est fini. Il a mis fin à un joug. Il m'a sorti, il m'a racheté. Je n'appartiens plus au diable. J'ai un nouveau propriétaire. Il s'appelle Jésus. Amen. Il a payé pour que je sois et pour que tu sois libre. Et Paul dira, nous usons d'une grande liberté. Paul dira à Timothée, il dit, je t'en conjure, devant Dieu, 1 Timothée chapitre 4, je le cite comme ça, devant Dieu, devant Jésus-Christ, qu'il doit juger les vivants et les morts, au nom de son avènement, au nom de son royaume. Mais qu'est-ce qu'il va dire de si important, de si urgent? Au nom de son royaume, au nom de son avènement, je t'en conjure devant Dieu qu'il doit juger Christ, les vivants et les morts. Mais qu'est-ce qu'il va dire de si important? Eh bien, voilà ce qu'il va dire. Prêche, non pas des vérités. Prêche, non pas des paroles de vérité. Prêche la parole. Il y en a qui prêchent sur la parole et ils lui font dire ce qu'il ne dit pas. Ou l'empêche de dire ce qu'elle voudrait dire. Paul dira, nous n'altérons point la parole, nous ne falsifions point la parole. Mais il dira à Timothée, dispense la parole avec droiture. Comme un ouvrier qui a fait ses épreuves et qui n'a pas à rougir. Prêche la parole, insiste. En toute occasion, favorable ou non. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il dit, il viendra un temps, et nous y sommes, où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ils seront comme une démangeaison d'entendre des choses agréables. Et ils vont se donner à cause de ces désirs pernicieux, égoïstes. Ils vont se donner une foule de docteurs. On va élever des ministères que Dieu n'a pas appelés. On va pousser des ministères que Dieu n'a pas appelés. Et ma prière à Dieu, c'est Seigneur, stop ce que tu n'as pas appelé. Parce que ce que tu n'as pas appelé prendra la place d'un ministère. Parce qu'après, il faudra lui laisser son tour de prêcher. Et celui qui doit prêcher, une réunion est importante. Une réunion, il y a des âmes qui peuvent se sauver. Et parfois, on laisse la place à quelqu'un qui n'a pas été appelé et il prêche. Et qu'est-ce qu'on fait? Pas bien pour le chant. Mais vous imaginez? Nous n'avons pas besoin. Si je veux aimer quelqu'un, si je veux encourager quelqu'un, je vais l'inviter chez moi à manger avec moi. Viens boire un café chez moi. Mais dans l'église, on ne déplace pas, on ne touche pas ce que Dieu a placé. Il faut une place pour chaque chose. Et chaque chose a sa place. Le temps me manquerait de vous parler de Corinthiens. Lorsque Paul a reçu la révélation de l'église comme étant un corps. Car le corps présente une parfaite unité. Et il dit comme ça, je passe rapide. Il dit, l'œil ne peut pas dire amen, je n'ai pas besoin de toi. Et vice versa. Mais il y a dans le corps, l'œil reste l'œil. La bouche reste la bouche, l'oreille reste l'oreille. Mais si tout le corps voudrait être un œil, où serait la bouche, où serait l'oreille? Il y aurait un corps, un œil. Où est le bras?
Si tout le monde veut être pasteur, tout le monde veut le prêcher. Non, 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 Seigneur, il y a peu d'ouvriers dans la moisson. Envoie-toi des ouvriers. Envoie-toi, Seigneur, des ouvriers qualifiés, brisés, formés, avec une passion des âmes. Des pasteurs qui ne vont pas chercher leur intérêt, qui ne vont pas chercher le tapis rouge. Alléluia. Qui ne vont pas chercher le tapis rouge, les applaudissements, les courbettes, olé, tu vas bien. Comme ça, des pasteurs qui ne vont pas chercher ça, mais des pasteurs brisés, pétrifiés de la parole. Des pasteurs qui ne vont pas s'attacher au luxe, au matériel, au confort, mais qui vont, comme dira l'apôtre Paul, je ne fais aucun cas de ma vie. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Il dit, ma couronne, dira Paul, c'est vous, c'est l'Église. Et ce qui manque aux souffrances du corps de Christ pour l'Église, il dit, je l'achève dans ma chair pour son corps qui est l'Église. L'Église est belle. Parce qu'il l'a lavée, il l'a purifiée. Éphésiens 5, afin de la faire paraître, cette Église, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alors moi, ce soir, je vais prêcher ce qui est écrit. Amen. Je vais prêcher la parole. Que Dieu soit béni. Et je vais vous parler de quelque chose, vous allez vous estomper. Je vais vous parler de quelque chose, vous allez dire, c'est quoi ça? Vous attendez, hein, vous, qu'est-ce qu'il va dire? Eh bien, je vais vous le dire. Tenez-vous bien. Je vais vous parler de Jésus. Amen. Il semblerait qu'aujourd'hui, Jésus ne suffit plus. Il semblerait qu'aujourd'hui, il faut de la nouveauté. Il faut chercher des méthodes, des systèmes. Vous savez, la femme qui a perdu la drame, il ne va pas ouvrir les volets pour chercher la lumière de l'extérieur pour retrouver sa drame. Parce qu'à l'intérieur de la maison, il y a le chandelier, il y a la lampe. Il dit, elle allume la lampe. Si nous voulons une évangélisation pour mourir et attirer les âmes, alors il faut chercher un petit peu des beaux chanteurs. Un bel orchestre. Il nous faut un petit peu du monde pour attirer le monde. C'est anti-biblique. Parce que si le pécheur, à cause, il est courbé, il souffre, il n'en peut plus déjà, eux, lui, et qu'il n'en peut plus des artistes, il n'en peut plus, il a envie de la musique plus belle dans le monde que là. Et nous, on ne va pas chercher là un chanteur. Non! Ils sont courbés à cause du péché. Ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Et quand ils viennent à l'église, ce n'est pas pour trouver ce qu'il y a dans le monde. Eux, ils ont soif d'une paix, d'une délivrance. Ils ont soif d'un salut. Alléluia. Que Dieu. Ne cherchons pas des nouveautés. De toute façon, la vérité n'est pas nouvelle. Et tout ce qui est nouveau n'est pas la vérité. La vérité, ce n'est même pas des paroles, ce n'est même pas une philosophie, ce n'est même pas une théologie. Vous savez ce que c'est la vérité? C'est une personne, a dit Jésus. Jean 14, je suis la vérité. Le chemin et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Le temps m'a manqué de parler, mais je vais accélérer. Ça fait tellement longtemps que je ne viens pas. Pour ceux qui ont la parole de Dieu, j'aimerais prendre avec vous Hébreux chapitre 10, verset 7. Celui qui découvre Jésus en lisant la Bible a trouvé la vie. Si vous enlevez Jésus de la parole, vous n'y trouverez rien. Le centre et la somme de la parole, c'est Jésus. Amen.
Hébreux, chapitre 10, verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, est dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni le corps, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, quand il a dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Et ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. Verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Amen. Une fois pour toutes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oui, dans l'Ancien Testament, il y avait, bien sûr, le tabernacle. Il y a eu le temple. Et pour le péché, il fallait des sacrifices. Il fallait des offrandes de fleurs, de farine, image de la pureté. Il fallait des holocaustes, c'est-à-dire une offrande tout entière. L'holocauste était tout entier. Et dans l'Ancien Testament, tout cela gravitait autour du tabernacle. Je passe tous les ustensiles. Il y a l'holocauste, la cuve des ablutions. Il y a le tabernacle, il y a l'autel des parfums. Il y a le chandelier, il y a la table des propositions de paix. Au-delà du voile, il y a l'arche de l'alliance. Avec les chérubins qui se prosternent devant le propitiatoire. Là où le sacrificateur faisait, le souverain sacrificateur, une fois par an, le lion qui pue devrait rentrer, égorger d'abord, et avec le sang, rentrer dans la deuxième partie du tabernacle, le lieu très saint. Et comment se faisait l'expiation? Se faisait au lieu du propitiatoire. Et là, il y avait le sang, parce qu'il y avait l'arche de l'alliance, la loi, un vase avec de la manne, et le bâton d'Aaron qui a fleuri. Et les deux chérubins se prosternaient devant l'arche de l'alliance, devant le couvercle et devant le sang, le propitiatoire. Pour qu'il y ait pardon, il fallait le sacrificateur. Quatre choses. Le sang, le lieu, la deuxième partie du tabernacle, et il fallait l'animal. Christ, il a accompli ces quatre choses. Il a été la victime expiatoire. Le lieu, c'est lui. Le sang, c'est son propre sang. Et l'agneau qui ôte le péché, c'est lui. Il a été le souverain sacrificateur qui l'a offert, non pas quelque chose d'autre, mais sa propre vie. Le Père ne lui suffisait plus. Tu n'as agréé. Il n'était plus agréable. Les offrandes, les sacrifices, les holocaustes, il te plaît plus. Pourquoi? Parce que ça couvrait le péché. Père, puisqu'il est question de moi, dit Jésus, dans le livre du rouleau, me voici pour faire, mon Dieu, ta volonté.
Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Autrefois, les sacrifices, les holocaustes couvraient le péché. Mais le péché qui était toujours, c'était annuel, journalier, chaque jour, le sacrificateur. Il fallait qu'il renouvelle les sacrifices. Mais lui, Christ, une fois pour toutes, il a été le sacrifice parfait. Amen. Et a obtenu une rédemption éternelle. Et même dans l'époque de Moïse, pour la libération de l'esclavage de l'Égypte, il dit, chaque famille prendra un agneau, fera couler du sang, l'immolera, et il prendra une bassine. Il mettra le sang, il accueillera le sang dans une bassine. Et avec un bouquet d'hyssope, un bouquet de fleurs, si je peux dire, il fallait tremper ce bouquet de fleurs dans le sang de la bassine. Et il fallait avec ce bouquet asperger, arroser, tremper le linteau et les deux poteaux de la porte. Et ainsi, la mort, la malédiction, l'ombre de la mort ne rentrait pas dans la maison, mais il passait outre à cause d'un simple sang d'un animal. L'ombre de la mort, la malédiction, le jugement, stoppé. La Bible nous dira combien plus l'Épître aux Hébreux, le sang de Christ. Alléluia. Amen. Si le sang d'un animal a pu arrêter cette ombre de la mort, combien plus le sang de Christ qui s'est offert à Dieu. Il dit, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Le sang de Jésus, meilleur, supérieur au sacrifice de l'ancienne alliance. Si le sang de l'animal a arrêté, combien le sang de Jésus, ce sang qui me libère, amen, ce sang qui me délivre, amen, ce sang qui me purifie, amen, si je suis noir comme un charbon, il me rend plus blanc que la neige. Amen. Si je suis une pierre vile, basse, rien du tout, il me rend plus pur que le diamant. Le sang de Jésus, il dit, nous purifie de tout péché. Il n'y a pas un péché avili, sale, que le sang de Jésus ne peut pas purifier. Il y a dans le sang de Jésus une puissance extraordinaire, une délivrance extraordinaire. Saint Éphésien de sang dira, l'Épître aux Hébreux 9, verset 22, il n'y a pas de pardon. Une goutte du sang de Jésus vaut mieux que 30 000 prières, 75 prédications, 700 séminaires. Une goutte du sang de l'agneau, lorsqu'il tombe sur quelqu'un, quel qu'il soit son lien, son péché, quel qu'il soit ses ténèbres, quel qu'il soit sa misère, son angoisse, sa dépression, ses chaînes, quel qu'il soit, une goutte du sang de Jésus pulvérise toutes les chaînes, tous les maillons. Et là, il purifie, il nettoie. Alléluia. Écoute-moi bien, si je prends mon sang que je me coupe et que je le mets sur le tissot blanc et beau de l'os, qu'est-ce qu'il va faire mon sang dessus? Il va le tacher. Il va le tacher. Mon sang va le tacher. Mais le sang de Jésus, il détache. Alléluia. Il enlève les taches, le sang de Jésus. Alléluia. Béni soit Dieu. Lorsqu'Adam a péché, eh bien, ils ont été coupés, chassés du jardin. C'est fini. On a mis deux chérubins à l'entrée, à la porte du jardin. Le voilà dehors, rejeté. Il paye sa conséquence du péché à l'extérieur de la présence de Dieu. Et il y a deux anges auxquels on a dit,
qu'il ne s'approche pas, qu'il ne touche pas l'arbre de la vie. Et ces deux anges avaient quoi dans la main? Deux épées flamboyantes. Et qui barraient la route, qui barraient le chemin devant l'homme qui a péché. Mais lorsqu'on va devant le propitiatoire, dans le lieu très saint, on trouve les deux chérubins qui tenaient des épées pour empêcher l'homme qui a péché de rentrer. Fini, tu ne rentres plus. On les trouve devant le coffret de l'Alliance et ils se prosternent. Oui, mais... Mais où sont les épées flamboyantes à la main? Ils ne les ont plus. Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans le propitiatoire où on faisait l'expiation, la purification, le souverain sacrificateur aspergeait du sang. Et devant le sang, ces anges qui avaient des épées, le sang les a désarmés. Alléluia. Si par l'épée qui empêche l'homme qui a péché de rentrer, le sang, quand un homme se repent de son péché, il les a désarmés. Alléluia. Si le sang de Jésus a désarmé deux anges, de quelle manière il a effacé les actes dont les ordonnances qui subsistaient contre nous. Il a dépouillé les dominations, Satan et ses démons. Le sang de Jésus a détruit toute la puissance de l'ennemi. Quel qu'il soit le marabout, le médium, la sorcellerie, quel qu'il soit le péché, la dépression, l'angoisse que tu passes, quand tu viens à Jésus-Christ, quand il y a le sang de Jésus qui touche ton âme, qui mouille ton âme, il n'y a aucun démon qui résiste. Il n'y a aucune puissance des ténèbres, aucun lien, aucun marabout. Parce que le sang de Jésus a vaincu l'enfer. Et il avait pouillé Satan et ses démons. Il a vaincu le tombeau parce qu'il n'a jamais péché. Il nous convenait, dit à l'Épître aux Hébreux, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, pur, plus élevé que les cieux. Hébreux chapitre 8, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un souverain sacrificateur établi à la droite de Dieu comme ministre du véritable sanctuaire. Il est ministre par son sang. Amen. Et c'est quoi l'argent qu'il est en train d'administrer? C'est son sang. Amen. C'est son sang. Alors écoutez bien. Comme le sacrificateur chaque année devait rentrer dans le lieu très saint pour faire l'expiation du peuple. Écoutez bien. Christ est mort. Christ est ressuscité. Il y a une des sœurs qui veut le toucher. Et Jésus lui dit, ne me touche pas. Il donne la raison. Car je ne suis pas monté vers mon Père. Pour nous, on n'est pas des Juifs. Alors on ne comprend pas ça. Mais si on plonge un petit peu le regard, ça a une explication. Parce que, avec la sœur, il lui dit, ne me touche pas. Et à Thomas, il lui dit, viens, touche. Alors, qu'est-ce qu'il faut, le toucher ou ne pas le toucher? Quelle est la raison pour laquelle est-ce que Jésus aimerait plus Thomas que la sœur? Pas du tout. Pourquoi alors il lui dit, touche-moi, et à elle, il lui dit, ne me touche pas. Il fallait que Christ accomplisse la loi. Dans ses moindres détails, Christ, il a tabernaclé. C'est lui le véritable tabernacle. Le temps me manquerait pour expliquer les choses en détail. Tout est
ciel, Jésus est divin. Blanche, Christ est pur. La rouge, le sang de Jésus. L'autel des holocaustes, la croix de Christ, le sacrifice, la culte des ambitions. C'est quoi? C'est la dimension de la parole. Christ s'est fait parole. Amen. La parole, qu'est-ce qu'elle s'est fait? Chair. Et elle habitait parmi nous. C'est Christ qui l'a tabernaclé. Alors on va revenir à cette question. Quand il lui dit, ne me touche pas, il était en train, en tant que sacrificateur, souverain sacrificateur, d'accomplir la fonction de sacrificateur. Lorsque le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint, il fallait qu'il se prépare. C'était une fois chaque année. Et quand il rentrait dans le lieu, il fallait que personne ne l'arrête, personne ne le touche. Il fallait qu'il rentre, mis à part, que personne ne le touche. Et c'était l'œuvre de sacrificateur. Et quand tu dis à la sœur, ne me touche pas, parce que je suis en train d'accomplir l'œuvre du souverain sacrificateur, je ne suis pas monté vers mon Père. Il faut que je monte avec mon sang, en tant que roi souverain sacrificateur, présenter mon sang au Père. Alléluia. Béni soit Dieu. Écoutez-moi bien. Quand Christ est au tombeau et qu'il est ressuscité, quand les frères y vont, quand ils rentrent, qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il n'y a pas deux anges? Un à ses pieds et un à sa tête. On ne s'est pas arrêté à ça. Mais si on examine ça, ça veut dire un à ses pieds et un à sa tête. Mais qu'est-ce qu'ils font ces deux anges? Pareil. Pareil comme le coffret de l'Alliance. Il y a deux anges. Et ces anges, ils sont venus lui faire un message. Et quel est ce message? Le véritable propitiatoire. Il est là. Amen. Le réel propitiatoire. Le vrai coffret dans lequel il y avait la manne, la parole, la loi. Christ l'a accompli. Le bâton d'Aaron qui a fleuri. Le bâton, c'est la croix. La fleurie, c'est la résurrection. Amen. Voilà le véritable propitiatoire. Lorsque Christ fut présenté à Ponce Pilate, mais le sacrificateur, Caïphe. Lorsque Jésus devant lui, personne ne lui a dit rien. Lorsqu'il le voit, il prend ses vêtements. Ça ne se fait pas de déchirer un sacrificateur ses vêtements. C'est une destitution. Il s'enlève de sa fonction. Et lorsqu'il le voit, il prend ses vêtements et il est déçu. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? C'est quoi cette révélation? C'est quoi ce geste qui révèle? Quand il décide ça, il dit, c'est la fin de la sacrificature de l'homme. Parce que le vrai sacrificateur, il est là. Amen. Il est là, mon vrai sacrificateur. Alors je déchire. Si l'homme l'a déchiré, Dieu est d'accord. Amen. Quand Christ est mort, lui aussi l'a déchiré. Un rideau. Quel rideau? Dans la deuxième partie du tabernacle, le premier, il y avait un rideau têtu. Et ce rideau n'a pas été déchiré d'en bas jusqu'en haut, parce qu'on pourrait laisser penser que c'est l'homme. Alors il fallait, Dieu prend soin des moindres détails, il fallait que ça se déchire d'en haut pour montrer que c'est Dieu qui le déchire. Amen. Mais pourquoi il déchire aussi Dieu? Parce que Dieu dit, moi aussi je suis d'accord. Moi aussi, je suis d'accord. Je décide de terminer les offrandes, terminer les holocaustes, terminer le sacrifice, terminer le sacrificateur et le souverain sacrificateur de l'homme. Maintenant, c'est fini ça. Mon fils. Amen. Et le grand souverain sacrificateur déclaré. De quelle tribu est Jésus?
tribu de Judas. Et la tribu des Génois, c'est qui? C'est les rois. Christ est roi. Salut. Il était roi. Il a dit, j'ai gardé quelques brebis pour les offrir. Il voulait faire le sacrificateur. Quoi? Tu décides ta royauté depuis roi. Parce que tu ne peux pas faire ce que c'est un roi. Ceux qui sont issus de la tribu de Judas, ce sont des rois. Et le sacrificateur, c'est le qui? On ne fait pas ce qu'on veut. Il va être de la lignée des Lévitiques, comme le fut Aaron. Et dans la lignée des Lévitiques, il y avait les rois. Mais Christ, de quel droit il est sacrificateur? Il n'est pas élu, il est venu pour accomplir la loi. Les Juifs ne comprennent pas ça. Quoi, roi souverain sacrificateur? Quoi, sacrificateur? Non, ça ne va pas. Alors, pourquoi? Parce que c'est un roi. Ton roi vient dans Jérusalem sur le dos de l'âne. L'entrée triomphante en tant que roi. Mais sacrificateur, il n'est pas dans la lignée des Lévitiques. Mais écoutez-moi bien ce que dit l'Épître aux Hébreux. Christ ne s'est pas attribué lui-même la dignité de devenir sacrificateur. Il le tient. Cette déclaration de cette sacrificature, c'est pas Aaron qui lui a dit, tu es sacrificateur, Jésus. Qui lui a dit? De quel rang? De quelle dignité? Selon l'ordre de Melchisédek. Il n'a ni commencement, ni fin, ni généalogie. Il est lui-même roi de Salem, roi de paix, et roi de justice. Il est sacrificateur, celui qui se lève. Et comme il est sacrificateur, il déclare à Jésus, tu es sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Gloire à Dieu, béni soit Dieu. Il est roi et souverain sacrificateur. C'est pas fini, vous me laissez continuer? Amen. C'est pas fini. Quand je parle de lui, je vous demande pardon. Amen. Je suis passionné. Parce que je sais de quoi je prêche. Amen. Je sais qui je prêche. Amen. Alléluia. Voilà le vrai. Il déchire le rideau, il déchire tout. Pardonnez-moi, je vais utiliser mon imagination, mais ça tient la route. Dans les actes des apôtres, il est dit, il est impossible que le sel, en parlant de Jésus, soit que les liens de la mort, les bras de la mort, les liens de la mort, il dit, le retient. Qui est la reine de l'épouvante? La mort. Et la Bible dit que la puissance de la mort, c'est Satan. Parce qu'il fait péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Alors ces deux, on va les voir sous le rime, pardonnez-moi, avec le roi sacrificateur. Dans l'Apocalypse, il est dit, il y a un désespoir dans le ciel. Personne n'est digne de prendre un tonnerre pour prêcher sur autre chose. La prochaine fois que vous m'invitez, si vous voulez. Amen. Viendrai et j'apporterai la sainte. Amen. Sur l'Apocalypse. Il dit, il n'y a pas d'espoir, il n'y a plus rien. Mais à un moment donné, il dit, Jean ne pleure plus. Alors, avant de dire ça, il faut que je dise quelque chose. Quand Jean, il est dans l'île de Patmos, et qu'il reçoit la révélation de l'Apocalypse, avant l'Apocalypse, parce que du chapitre 2, 3, 4, ça parle de l'Église. Puis après, s'il finit, c'est l'épouse. Parce que l'Église, elle est enlevée au chapitre. Chapitre 4, il ne parle plus, parce qu'elle est enlevée. Il y a le groupe des vainqueurs. Celui qui vaincra s'assira avec moi sur le trône, avec mon père. Amen. Mais la première révélation qu'il reçoit, il dit, et j'entendis une voix, et je me suis tourné,
pour voir qui était ce roi qui vous parlait. Lorsque je le vis, comment il l'a vu, Jean, quand Jésus lui a parlé? Jean, voici ta mère. Jean le voit ensanglanté. Il le voit avec une couronne d'épines, cloué à la croix. Et quand il reçoit la révélation qui se tourne, lorsque je le vis, son visage rayonnait comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Ses cheveux, ils étaient blancs comme de la neige. De sa bouche sortait une épée aiguë. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses pieds, ils étaient comme des lérins ardents, comme s'ils auraient été embrasés dans une fournaise. Écrit, roi des rois. Vous savez comment il le voit, l'argent? Il le voit comme il a dit à Marie, je monte vers mon père. En tant que sacrificateur, Jean reçoit la révélation, il se tourne, il le voit. Il le voit en tant que roi souverain, sacrificateur. Amen. Il le voit sacrificateur. Il est sacrificateur et tout d'un coup on le voit. Voici l'agneau de Dieu qui a vaincu. Ne vous inquiétez pas. Laissez le portable sonner. Il finira. L'agneau, il a vaincu. Et après, il dit, le lion, le roi de la tribu de, a vaincu, il est vainqueur. Mais pourquoi une telle différence? Pourquoi presque une opposée? Mais si t'es un agneau, t'es gentil, t'es un agneau. Si t'es un lion, t'es méchant, t'es un lion. Qu'est-ce que tu es? Lui, il est les deux en même temps. Voici l'agneau et voici le lion. Mais pourquoi, Seigneur? On demande à la Bible qu'il nous explique. Amen. Je vois Jésus sur la croix, crucifié, Christ mort. On le fait descendre, on l'amène au tombeau. Christ est mort et on entend les liens de la mort qui le retiennent. Il dit les liens de la mort le retiennent, les liens de la mort le retiennent. Et je vois, ben, Satan ici. Et je vois la mort, oh mort! Il parle à la mort. Et je vois la mort qui tient Jésus. Et je vois Satan. Et je vois le diable en train de dire à la mort, tiens-le, ne le lâche pas. Et je vois la reine de l'épouvante répondre au diable, ne t'inquiète pas, tous les hommes que j'ai tenu dans mes bras, que j'ai pris dans mon sein, c'est terminé. Je le tiens-le, hein. Je le tiens. Deux jours. Attendez, hein, vous me voyez venir. Hein. Et vous sentez comme une lueur d'espoir qui vient. Je le tiens. Il y a de la mort. Je le tiens et je vois le diable en train de dire, je suis fier de toi. Tu es la reine de l'épouvante. Tiens-le, ne le lâche pas. Parce qu'il nous a fait trop du mal, lui. Hein. Les aveugles voient, les paralytiques marchent, les lépreux sont purifiés, les démons sont chassés. Partout où il passait, les villages et les villes, il répandait un torrent d'amour. Tiens-le, ne le lâche plus. Et je vois la mort avec son orgueil, sa fierté. Je le tiens, patron. La mort s'imagine que c'est elle qui le tient.
pouvoir de donner ma vie. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Mais pourquoi il ne bouge pas? Parce qu'il accepte les Écritures. Que dit l'Écriture? Troisième jour. Alors, au deuxième jour, et je vois le diable, ça y est. Ah, ça y est. Troisième jour. Boum. La vie. Christ se révèle. Amen. Et je vois le diable en train de dire, qui a? Qu'est-ce qu'il y a? Il bouge. Il bouge. Même s'il bouge, tiens-le quand même. Je le tiens, mais il est trop fort. C'est quoi cette puissance? Tiens-le, tiens-le. J'arrive pas. Mais je vois le diable en train de dire là-bas. Pourquoi tu n'arrives pas? Tu n'as jamais réussi à le faire pécher. Amen. Il est saint. Et je sens la vie sainte pure de l'agneau sans tache. Amen. Mais tiens-le quand même, essaye de le tenir. J'y arrive pas. Il revient à la vie, il se réveille. Et je vois le diable en train de lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il est en train de nous vaincre. Et je vois la mort en train de dire au diable, mais quand il est mort pour le péché du monde, il n'est pas mort comme un agneau. Dans le ciel, on ne dit pas, voici l'agneau. Alors je le tenais. Mais là, il ressuscite comme un lion. Alléluia. Je vois la force. Je vois la puissance. Je vois la puissance de l'autorité d'un lion. Il meurt comme un agneau. Mais il ressuscite avec la force, l'autorité, la puissance de l'agneau. Alléluia. Jean dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Écoutez-moi bien. Christ, c'est un agneau pour toi. Parce qu'il t'aime. Amen. Il t'aime de l'amour éternel. Amen. Il a donné son sang. Il a accepté les crachats. Il a accepté la mort. Il a accepté d'être abandonné, trahi par Judas, abandonné pour les siens. Il est à la croix. Il donne sa vie parce qu'il t'aime à toi. Mais comme le diable t'a lié, comme le diable te traîne dans l'impureté, comme il y a le marabout, les liens, comme il y a la puissance du diable, qu'il veut te couper, qu'il veut te lier, qu'il veut te détruire, te faire tomber en dépression. Alors là, il est un agneau pour toi, parce qu'il t'aime, et pour le mal. C'est un lion. Il a une haine contre le péché. Il a une haine contre le mal. Alléluia. Il t'aime. Il veut dévorer les liens. Il veut dévorer le péché. Il a détruit le péché. Alléluia. Oui, il t'enlève l'angoisse. Il te donne la joie. Il brise tes liens. Et il te plante dans l'amour, dans la pureté, dans la sainteté. Mais qui est ce roi? Il est le roi souverain sacrificateur. Alléluia. Et laissez-moi finir par ça. Il est ressuscité. Amen. Il est vivant. Amen. Nous prêchons pas un Christ mort, mais un Christ vivant. Amen. Alléluia. Que le sang de Jésus purifie
de tout péché. Amen. Que le sang de Jésus te libère. Que le sang de Jésus te rachète. Alléluia. Rentre chez toi, mets sur les linteaux de la porte, mets sur les deux poteaux de ton fils, le cœur de ta fille, de ton gendre et de ta vie à toi, le sang de l'aspersion. Parce que le sang de Jésus parle mieux que qui ? Que celui d'Abel. Parce que celui d'Abel, c'est ce qu'il dit ? Il faut qu'il paye. La justice, il faut qu'il paye. Il m'a tué, il faut qu'il paye. Mais le sang de Jésus parle mieux que celui-là. Comment ça ? Comment ? Oui, parce que le sang de Jésus dit : je paye. Je paye. Le sang d'Abel dit : qu'il paye et qu'il meure. Le sang de Jésus dit : je paye et je meurs. Alléluia. Le sang d'Abel dit : justice et vengeance. Le sang de Jésus dit : grâce, pardon, Amen. Miséricorde. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. 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 L'Église, elle est la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Je termine avec ça. Absolument. De quelle tribu es-tu, Lignon ? De Jésus, il me dit. Jésus, de quelle tribu il est ? De Juda ? Il est roi. S'il est de la tribu des rois, c'est un lion. Et si tu es toi, de la tribu de Christ, de la promesse faite à Abraham, tu es un roi, un lion. Le chrétien, c'est un lion. Alors, arrête, je vous demande pardon ce que je veux dire. Arrête de te qui me coupe ton nom, je me noie. Devant mes enfants, oh, c'est la mort. Tu coupes le lave-vaisselle, ben, tu mets l'assemblée. Et on te règle la voiture. Ah, moi, si je n'étais pas converti, j'aurais rendu la monnaie. Ah, mes moyens se plaignent pour tout, pour rien. Et devant la maladie, oh, c'est fini, c'est fini. Mais arrête, tu n'es pas une caniche. Tu n'es pas une chinoise. Tu es un roi. Amen. Tu es un lion. Amen. Alors, face aux démons, face à la maladie, face au problème, ne gémis pas. Fais entendre ton autorité. Amen. Tu es de la tribu. Alléluia. Des lions. Alléluia. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. Maintenant, si nous connaissons des rois et des sacrificateurs, pour Dieu son Père, alléluia, face au problème, rougis. Mais comment rougis ? Prie. Loue ton Dieu, Amen. C'est fini, c'est pas fini. Il est plus grand que toi, Amen. Il est plus fort que toi. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand vous allez rentrer chez vous, ne dites pas quel pasteur. Dites quel sacrificateur. Amen. 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 Amen.